Bonjour, bonjour, et oui, je viens de faire ma synchro. Bonsoir, Cro-Magnon, mon voisin du sud. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, Eshkou qui n'en peut plus, qui attend. Bonsoir, le Québec et les gosses. Bonsoir à tous. Et bonsoir, Alinarian. Ouais, j'aime bien les gosses. Hop. Bonsoir. Allez, on reprend, quatrième épisode. Ça me fait Ça m'inquiète marrer. Que tu vas y voir comme ça, que tu insistes pour voir les gosses comme ça de Rich School. Est-ce que les gosses des Québécois sont plus poilus que les gosses des Européens avec le froid? À savoir, hein. Ah, peut-être. Hein. Alors, ça, c'est un mystère à évoluer. À évoquer. Il y a une manière de se raser avec... en ce moment. Est-ce qu'ils ont des gosses avec la calvitie? Ouais, c'est ça. Là. Ça dépend. Si t'es célibataire, t'es poilu. Si t'es, pas... si t'es avec une fille, elle t'oblige à te raser. Mais ah, au Québec vrai. Non, mais non, quand même. Ouais. Elles aiment pas les tartes au poil, quoi. Oh. Ah, mais du coup, bonsoir. Allez, ah oui, ça démarre très bien. Et l'Inérian, il est là. Eh, l'Inérian, t'es là? L'Inérian, il est dans son truc. Ah, il est pas là. Hein. Ah, ouais. Il est pas sociable, ce mec, t'as vu? Suède a déclaré la guerre au cri. Waouh, déjà. Je suis sûr que c'est parce qu'il est occupé à admirer Sifi sur Red Shadow. Ah. Je suis sûr. Salopard. Sur Phasmophobia, on en a un. On lui dit d'arrêter de faire ses sextos sans arrêt. Écoutez... Ouais, il y a deux fois, papa, il m'a proposé de venir, mais à chaque fois, c'est que j'ai j'étais à RP là, et ouais. En ce moment, je suis vachement occupé parce que. Mais il va falloir qu'on se trouve un moment. Je suis patron et je suis tout seul, alors si je veux que l'entreprise elle tourne, faut que je joue. Voilà. Bah ouais, je sais bien, mais un soir, il faudra se faire Phasmophobia avec toi. Ah et ouais, papa. Mais ça serait trop cool, même avec ma chérie, elle adore aussi. Ok, c'est l'invasion des barbares. Chez toi? Waouh. Ouais. Alors, on va se gérer ça. Clac, clac, clac. Voilà, j'ai trouvé le royaume de Crow. Là, on est bon. Moi, je continue à diffuser Lyanis. Diffuse, hein. Les Mayas vont devenir. On va avoir ma religion dans un peu de temps. Ensuite, les frondeurs. Oh non, j'ai pas réussi! Quelle tristesse! On va faire de la bouffe pour l'instant, ouais. Oh, j'ai même pas besoin de faire ça finalement, mince. Ça fait quoi ensuite, ça? On va faire que je vais couper. Ouais, bon, c'est pas grave. Il me reste combien? On fait un bonus de bouffe quand même. Et le tour est passé! Oui! Ou presque. D'ailleurs, il régène mon héros? Ouais, ça va. Est-ce que l'un d'entre vous, chers compères et aventuriers, avait trouvé l'océan? Moi? T'as popé auprès? J'ai trouvé. Ah ouais! Vous êtes deux. Trouvé mais pas accès. Moi j'ai trouvé mais j'ai pas la techno pour y aller. Mes villes ils se bâtissent à une vitesse de tortue. Moi j'ai Rome qui m'envoie des délégations. J'ai l'impression qu'il il me caresse dans le sens du poil, tu sais, comme on dit. Quoi? Rishkou n'est pas loin de toi? Ouais, il est pas loin de toi non plus. Et en fait, y'a que moi qui ai trouvé personne, quoi. Ah merde. Ah ouais. Moi j'avais que des IA autour de moi. Bah en même temps, tu voulais une nouvelle map immensément grande. Nickel. Bah tu me diras non, j'ai pas trouvé Rishkou, j'ai trouvé son éclaireur. Ouais. Enfin, on s'est croisé en éclaireur, quoi. Ah évidemment, c'est Candy. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ouais, et en plus, il met son éclaireur pour m'empêcher de me déplacer sur celui-là. C'était quoi qu'elle avait, elle? Ouais, c'est ça. Hercule a été recruté par les Incas. Oh. Et donc les jumeaux ils sont c'est morts. C'est les Incas. Ouais. C'est chaud. Ah. Ouh, elle est forte aussi, Johannesburg. Oh, oh merde, les Mayas m'envoient des vins. Ouais, mais t'as pas déclaré la guerre encore. Ça, il y a la compétition, sacrifie une unité s'il y a un volcan près de chez toi. C'est peut-être pour ça. Yeah. Ah, bah, il y a de fortes chances.
Ok, là, il y a les barbares en folie. Tu vois, j'ai mis 37 états, on en croise facilement. Hein. Allez. Profatilus, oui. On va faire... Et on l'envoie. Ça. J'aurais peut-être en faire un, quand même, de héros. Ouais, au moins comme éclaireur, c'est vachement bien. Oh la vache, ça se... Qu'est-ce qu'il donne de niveau, lui, hein ? Je suis sûr que c'est de la merde, ce qui reste. Voilà. Hein. Donc là, je suis en train de construire un nouveau bâtiment amélioré par le Babylone. Le moulin. Je suis pris. Et le moulin... Ouais, je vais faire ça. Le moulin, ça donne quoi ? Habitation 1, production 2, nourriture 1. Ouais. Je sais pas si c'est mieux. Et j'aimerais bien mon... Putain, tu vas me dire que... Ah bah non, c'est bon. Oh, j'ai deux personnages illustres. Savant et prophète. Allez, prophète. C'est comme ça qu'on peut plus avoir de savant illustre. Ah, ça, je peux pas te dire. Je suis pas dans ce trip-là encore. Il m'a dit recrutement est possible pour les savants illustres. Parce que je... Moi, je... Ah bon t'as moi, je peux en recruter un. T'as un campus, riche cool. Bah, j'en ai même 4. Ah. 4 campus. Bah, j'en ai deux d'actifs, puis deux autres en construction. Bah, moi, j'ai recruté un savant, donc regarde si tu peux pas en recruter un, toi. Ah, il faut attendre la prochaine heure pour avoir un nouveau savant. D'accord. C'est un par heure, puis par... c'est pour ça. Cool, je suis en âge... Céline pourrait se dépêcher un peu. Et je suis en âge d'or. Oh, je suis en âge héroïque. Oh, trop bien. Après. Bravo. Oh, trop bien. Il manque 4 points pour dans ça. Combien de temps? Dans 14 tours, 10-14 tours. Nickel. Donc si vous demandez toujours notre partie, regardez la première vidéo, vous avez le let's play, le lien. Et vous avez le rappel de tout. On est en Empereur, Maptera, Colossal avec des modes. Il y a de la lumière la nuit, il y a plein de choses. Et la configuration de la partie, évidemment. Et malheureusement, je ne peux pas voir ce que je fais. Mais oui, parce que pour une fois, ça y est, au bout de 3 ans, presque. Tu joues en solo, sans équipe. Et en empereur. Je suis dans mon froc. Mais en empereur. Et en empereur. Et je suis dans mon froc. Et tu t'en sors très bien, arrête de râler. Ah, ils ont sacrifié les devins, ils ont fait un. D'accord, une crue. On m'entendait pas beaucoup. C'est vrai. Hein. Coucou Mélisis. Ouais, mais pourtant t'as un Blue Yeti. Est-ce que ton gain tu l'as bien réglé? Ouais, peut-être pas. Là c'est nickel. Hein. Tu t'es rapproché peut-être. Oh. Non, je l'ai monté un peu. Ouais. Sinbad, les copains! Ah, le marin? Ouais! 250 unités d'or lorsqu'il découvre un continent. Pas mal! Alors, le gars, faut pas trop le montrer de sature, mais là, tu satures pas. Pour moi, ta voix est nickel maintenant. Ok, ok. Bah, cool. J'ai une ressource stratégique, ça, c'est bien. Je vais le faire. Mm-hmm. Ok, cool. Cool, cool, cool. Toi, il faut que je te bute absolument ou je suis mort. Et d'ailleurs, on va même régène. Oh, sacré volcan, là, le Phnom Rung. Voilà. On va achever, là, comme ça. Et on va faire diversion. Et annonce. Annonce. Est-ce que c'est... Alors, à utiliser sur une ressource bonus ou de luxe. Il dit pas que ça doit être sur ton territoire. Hein. On va aller voir là. Tu colonises près des montagnes, les Incas ne t'aiment pas. D'accord. Ouais. J'en apprends tous les jours. Alors, dogme... Ah bah attends, Linarian, je t'ai trouvé. Ah bon? Bah écoute, apparemment. On va rester comme ça. Ah, c'est cool. Avec ton armure et ton ventripotentisme.
si on peut dire. On va rester comme ça. Bon, bah, on va se mettre. Minute papillon, là, t'es désactivé, toi ? Ah oui. Avec la foi, on peut acheter que un de 20 pour l'instant. Ok. Je vais faire ça pour l'instant. Ah putain, il m'a piqué le fer. Hein. Je savais que je l'aurais eu celui-là sinon. Ah, c'est encore à moi, purée. Eh, religion, désolé les gens. Je crois qu'effectivement, je t'ai découvert, Tac. T'es pas loin de Singapour, non ? En fait, je suis à côté de chez Cro-Magnon. Singapour, autrement ? Oui, c'est ça. Ouais, bah, j'ai un archer juste à côté. L'archer monté, là, c'est un héros ou c'est une unité ? Unité barbare que j'ai volée. Ah ouais ! Bravo, bah c'est cool, ça ! Je t'ai envoyé une délégation, de toute façon, t'as dû la recevoir. Ouais, c'est déjà bon. Accepté. Yes. Yes. Et j'ai découvert les loisirs. Et ça, c'est indispensable. Parce que... Bon, là, je suis bien pour toute la nuit, les gars. Si vous voulez, j'ai ma bière. Il y a des reflets d'eau la nuit, j'avais complètement oublié. Comme les gars ont l'air d'être très concentrés, de ne pas passer de tour. Les apôtres, on s'en sert beaucoup. Hein. Alors les apôtres, c'est pour créer d'abord la religion, et ensuite on doit en sacrifier deux pour avoir des bonus complémentaires. Ah mais après c'est ceux-là dont on se sert pas mal pour aller dans les... Les batailles, ouais ouais. C'est les après, apôtres hein, qui peuvent aller dans les... Ouais. Les missionnaires au départ, c'est moins cher. Parce que les apôtres les sacrifient pour avoir... des reliques. L'inquisiteur. Puis ensuite pour avoir des bonus supplémentaires dans ta religion. Ouais. Puis ensuite les apôtres servent de guerriers pour proposer la religion et éliminer les autres unités religieuses. Ouais, j'étais un bâtisseur. Alors après du coup les apôtres sont plus forts mais ils sont aussi plus chers. Donc tu feras pas que des apôtres, tu feras un mix avec des missionnaires et des inquisiteurs. C'est ça. Les missionnaires, c'est plus pour propager la religion. Les apôtres, c'est pour protéger ta religion. Non, t'es sérieux, il a pas le droit de passer. Punaise. Punaise. Et en plus, l'avantage des missionnaires, c'est qu'ils font de bons... sont très utiles pour la reconnaissance. Allez, fonder une religion. Oui, on va fonder une religion. Qu'est-ce qu'on a, là, des poissons. J'ai hâte de voir, ça va être quoi, ta religion. Bah, je cherche un truc marrant, mais bon, j'ai déjà fait Nelsonisme, le Pandoré j'ai déjà fait. Je cherche un truc marrant, mais en icône il n'y a pas beaucoup de choix. Je suis si j'ai du fer là-haut, nickel. Je vais avoir une ligne de le parallélisme fer, non. Allez, je confirme ma religion. Or plus 5 grâce au commercial des internationales pour chaque temple ou hôtel de ville d'origine. Ok, je prends ça. L'habitation, c'est pas mal. Culture. Pièce pour chaque quartier à région est doté d'une merveille mondiale. C'est chaud ça. Je fonde les meumeux de l'espace. Allez, c'est vendu. Les meumeux de l'espace. Les meumeux de l'espace. Eh oui. Ah, tout toi il est chaud. Ah ben t'as à cause de toi chaque fois que j'ai un éclairage il est avec des chats. Et je déteste ouais.
On va propager cette religion délicieusement lactée. Et il va se faire bouffer par mon lion. Oh non, tu vas pas me traire. Je vais y arriver. Je me connais. Oh, il y a du volcan par là. Ouais. C'est quoi comme une conque que t'as utilisé? La vache. À la tête de Meumeu. Ah, le Meumeu de l'espace. Ça y est, t'as fait le rapprochement. Ah, et puis en plus, on a l'icône dans les... C'est cool, ça. Score de l'air 31. Ah, plus qu'un point et je suis en âge d'or. Ça me plaît bien. T'es vraiment prêt à jouer, là? Ben, c'est pas moi, c'est Barberousse qui fait quelque chose, là. Tu sais ce que je dis, Aline, maintenant? Ah, tu dis... Voilà, on va voir le moulin à eau, le... Les rouquins, ça réfléchit au ralenti. Hein. Oui, mais ça n'a pas d'âme, c'est déjà dit, ça. Ah, c'est pas beau. Rien. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. C'est une bêtise de collégien, ça. Alors, j'ai rien contre les rousses, hein, pourtant. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que les rousses, les femmes rousses avaient une certaine odeur particulière. Alors ça, c'est aussi bête que de dire que les roues n'ont pas d'âme. C'est encore... Si, moi j'avais vu une fois un truc comme quoi, en fait, les roues, ils avaient une perte... ils avaient moins de mélatonine, je crois que ça s'appelle. Hmm. Et que du coup, il y a un truc comme quoi, ils ont la peau un tout petit peu plus fine que les autres. Ah. Et du coup, ils ont les glandes sudorifères qui sont plus... Enfin, apparemment, voilà, ce serait dû à ça. L'odeur alors, du sang. Je ne sais plus l'explication exacte, mais c'est un truc qui est dû à ça, je crois. Tu vois ? Du vrai dans du faux dans du vrai. Non, c'est un truc que j'avais vu à la télé, hein, genre Galem 6 et tout. Oui. Il y a un pouf. Tellement longtemps que je m'en souviens plus. Allez, propageons la foi. Faisons aussi du luxe avec les abeilles, parce que c'est un produit de luxe. Bon, je me marre bien, là. Honnêtement, la partie, pour l'instant, c'est rigolo. Après, je pense qu'il faut pas trop oublier les héros, parce que sinon, il y en a un qui va tous nous les prendre. J'aurais quoi ? Bah, j'ai rien. J'ai rien à prendre, là. Ok. Ah mince, ça vaut le coup de l'avoir celui-là. Ça vaut le coup. Où sont mes villes ? J'en suis où ? Au début, t'es un peu frustré, t'as pas assez de population. Et c'est passé. Vatica est maintenant Lyonnais. Bon. Victoire religieuse, civilisation convertie, 2 sur 12. Pour moi. Bonne chance. Expédition exoplanétaire, 1 sur. Quoi ? Non, je regardais les sciences aussi quand ça se passe. Oh, les cris, c'est pas possible. Oh Magnon, peux-tu te dépêcher un peu, s'il te plaît ? C'est pas le let's play. Pour une fois que je joue là, ça va. Hein. C'est pas le let's play de la mendicité. Hein. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Apprécie la beauté de l'univers. Un environnement sonore unique. Ça manque de place, clairement. Ah, c'est une fois par tour, c'est ça. Tiens, où est mon héros, en fait?
parti là. Et j'ai personne qui est parti là-haut. Voilà, on a bougé tout ça. Oh, les cités d'État sont magnifiques là. Singapour avec ses toits dorés. Ok, et les cris sacrifient les unités au volcan. Tout va bien. Détour avant la fin de l'ère classique. Bon. Comment ça se passe? 4. Tiens, je vais faire du commerce avec toi, Cro. J'envoie une caravane à Peck. Oula, oula. Ah, j'ai fait une unité spéciale. Les phalanges babyloniennes, quasiment. Ouais, c'est cop. Bonjour Cro-Magnon. Salut. J'ai découvert l'Europe. Tu viens de visite à Rome? Oh la vache. Ton argent est bien apprécié. Ça vaut le coup ça. Cro-Magnon, pourquoi tu refuses ma déclaration d'amitié? On pourra faire du commerce. Parce que il faut apprendre à se connaître avant d'être ami. Moi je suis pas. On se connaît depuis longtemps quoi. Ah bah depuis 2 secondes, regarde, je viens de trouver tes frontières, il faut qu'on apprenne à... Voilà, il faut qu'on se jauge, qu'on se tâte, qu'on se... Tu vois? C'est pas immédiat. Bah oui, c'est... Non, je suis pas un mec facile. Non. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi, vilain? C'est pas ce qu'elle dit. Des réactions peut-être sur le chat en direct sur le stream de Cro-Magnon? Non, 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 il n'y en a pas. Mais je crois qu'il n'y a plus que ma chérie qui est là. C'est un peu moumou là sur Civilization, je crois. Ouais. C'est pas grave, hein. Oh, c'est le plaisir pour nous. Ouais, non, mais je stream plus trop en France. C'est vrai qu'il faut que je m'y remette. Mais je sais pas quoi faire en fait. J'ai pas l'impression que j'étais RP, ça va intéresser beaucoup de monde en fait. Eh ben, il faudrait que tu poses la question à ta communauté carrément. Tu fais une vidéo Stropol, tu sais, Stropol, bah, attends, je vais le faire. Ma communauté, elle est là. L'Inérien, tu crois que ça peut plaire? Ça peut, voilà, bah, je vais faire un peu, on verra. Mais en ce moment, ouais, c'est un peu mort, là, y a pas... Y a peut-être une chute, et puis c'est l'alternance, j'ai voulu faire un peu. J'ai voulu faire un peu aussi sur Assassin's Creed Valhalla, mais... Oh, mais ouais. Mais je croyais que je croyais que t'étais encore en comment on a... Je croyais que t'avais pris plusieurs mois la dernière fois. Plusieurs mois, tous les mois, ça te prépare. Oh bah ouais. C'est bon. T'as pas de pouvoir à... Ouais, t'as vu. Voilà, j'ai une bibliothèque gratos. C'est bien. En vrai, il y a un émissaire, faudrait peut-être que je joue moi. C'est une unité spéciale babylonienne contre la cavalerie lourde. Oh putain, c'est vachement bien ça. Et là, j'ai un héros. Si tu vas sur une case vide sans propriétaire, il peut créer une ressource de luxe ou bonus aléatoire. Les abeilles, ça vaut le coup aussi. C'est 2 pièces d'or à chaque fois. Oh la vache. Et moi, je suis entouré de montagnes. La mer, elle me bloque.
punaise. Ouais, d'accord, t'as colonisé carrément le nord, tu m'as bloqué complètement mon sud, toi, t'es un coquin finalement. Qui ça? Bah, je protège ma capitale, mec, tu crois. T'as de la place, hein, t'es pas obligé de venir vers chez moi. Hein. Après, c'est à toi de voir. Hein. Oui, je sais. Je sais, je sais. Allez, mais tire là, pourquoi il tire pas? Ah, t'as des barbares à côté de Zegeb. Ok, bon, bah, je sais pas, il veut pas tirer dessus. Les meubles d'espace, allez! On a fait ça. On va se faire une série là. Et là, je vais niquer sa ressource. Je t'ai enlevé ta ressource de luxe. Trop bien. Ok. Ah, donc t'es monté d'un coup à 4 cités, mon cher Crow, là. Ouais. Premier plan d'expansion, c'est bon. Ouais, tu m'as bien ravagé le sud, là, je me voyais bien. Ouais, bah, j'ai bien fait de me dépêcher. Est-ce que je suis serré partout, là, maintenant? J'ai les montagnes. Je suis complètement bloqué au sud avec toi. Je suis entouré de montagnes et par des maillots. Ça m'attriste que tu sois serré de partout. Mais t'inquiète. Bon, bah, j'ai les montagnes aussi autour de moi, donc... L'Inarion est trop sage. Elle est loin, la scène de montagne. Maillot, t'as vu ça? Oui, elles sont énormes. Mais ça, c'est le côté apocalypse qui augmente les montagnes, en plus. C'est joli, jolie la map, là, moi, j'aime bien. Ah ouais. Tu prends la map, c'est colossal. Hein. Ouais. Magnifique, ah ouais. Sinon, je passe trop de temps. C'est vrai. Je planifie pas un peu de temps. C'est vrai. Tu devrais juste parler un peu plus fort, l'Inarion, parce qu'on t'entend vraiment... de très loin. Le micro est... Moi je t'entends à peine d'ailleurs, je t'entends même plus d'ailleurs. Eh ben, tu devrais monter Blitzcope, parce que moi c'est un micro USB. Ouais, mais non, parce qu'après les deux autres zouzous, je les entends plus. Je les entends trop. Non, mais tu peux monter le. Surtout un quoi. Oh, il m'a buté mes archers, ce connard! Je le savais que j'ai fait. J'ai tellement fail. Tu peux monter le son. Je suis tellement désolé. Pas forcément du chat entier. Putain. J'en fais le con. Mais non, bordel de Dieu. Envoyer un émissaire, je veux bien, mais... Ça, c'est ok. Allez, vas-y, on va faire un peu du jus. Voilà, allez, c'est parti. On va s'attaquer à Pachakoutek. Voilà, un barbare de moins, on n'en parle plus. Non. Oh, c'est quoi encore ces chaînes de montagne là? Bon, c'est bon, l'âge d'or est largement pris. Très largement. Ah, les Mayas, dame Sissieux. Moi, je suis à 34 sur 24. 34, c'est pour te dire. Hein. Ah, bah, je vais le payer cher, moi aussi, mais. 50 sur 32. Donc, c'est pas bon après. J'ai trouvé le mont Kervin, c'est qu'il me donne Arthur. Oh, pas mal, Arthur! Ouais. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué. Bon, allez, les colons. On se dépêche.
23 tours, mon héros. Ok. Après, il faudra me dire dans les commentaires si vous voulez que je laisse la nuit. C'est vrai que ça rend sympa. Moi, j'aime bien. Hein. Mmh. Ouais, les effets de lumière sont bons. Hein. Moi, je sais pas comment on active le mode nuit. Au menu du jeu, dans les options. Ouais, ça, tu peux activer toi aussi ouais, dans les options. Là. Dans le jeu, t'as cycle jour juste au-dessus. Attends, t'as cycle jour nuit, t'as cycle jour nuit animé. Et c'est là. Et c'est quoi l'heure qui est indiquée dans le cycle? Bah ça, moi j'ai. C'est pour indiquer bah, l'heure de la journée. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Si tu mets à midi, si tu mets à midi, ça reste à midi. J'ai pas touché à ça. Ceux qui aiment la pénombre, en fait, bon bah. Oh, ouais, parce crise, que ça me dérange le jour-nuit, donc c'est pour ça. Ok, eh ben on va se allez, Lianis, prends Darenjo. Droit à une promotion d'unité. Ah, je peux pas. Oh, j'ai découvert un nouveau héros, Beowulf. Et ils vont nous faire tout le cinéma hollywoodien tout d'un coup là. Et vous savez que je vous offre pas un dernier tour. On va arrêter là déjà le quatrième épisode. On va continuer notre gestion. Donc, Cro-Magnon, là, tu m'as bien eu en expansion de cité. Et puis t'es bien placé. Arrête, bordel, t'as l'océan. Oh là 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 là, on verra au prochain épisode ce qui se passera. Merci à vous les gars, merci. C'est les inquisiteurs. Eh les inquisiteurs. Bye bye tout le monde. Eh bye bye.